bonjour. 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 C'est Solidaire d'abord. On est toujours sur fréquence 7, pas pareille, différente, qui nous permet de parler comme ça de plein de choses que Macron n'aimerait pas. On est là, Macron, même si Macron ne le veut pas. Alors, aujourd'hui, on va parler de la contre-réforme des retraites, on va parler du chantier de Saint-Pierre-de-Colombier, on va parler d'un rapport qui est sorti sur le sexisme par, en fait, le Haut Conseil à l'égalité, on va parler du démantèlement de programmé de l'hôpital de l'Argentière, on va parler aussi du quiz de Denis, il va voilà, nous donner la réponse et il va nous expliquer plein de choses autour de ça. Mais avant tout, Alain, tu voulais nous parler du festival du film paysan. Oui, le premier festival du film et documentaire paysan en Ardèche, qui va avoir lieu du 27 janvier au 5 février 2023, bien sûr, dans toute l'Ardèche, Privas, Desagnes, Vernoux, Aubenas, Saint-Félicien, Lévance, Le Béage, Les Ollières, Lussas. Donc pas mal de films qui vont être présentés, hein. La part du rêve, Chant de lutte, Douce France, etc., etc. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez contacter le 06 82 94 97 27. Je répète, le 06 82 94 97 27 pour avoir plus de renseignements sur ce premier festival paysan. Alors, on voit que on va parler de la réforme des retraites et aujourd'hui, on va avoir des interviews de syndicalistes qui seront à rapporter dans l'émission. Mais avant, je voulais vous rappeler quand même les vœux hallucinants de Monsieur Macron le jour du 31 décembre 2022, où il dit « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?» Et donc après, tu disais, Alain, qu'il a essayé de se rattraper, hein. Oh, il essaye toujours de se rattraper. De toute façon, Macron, c'est quelqu'un, il nous donne des versions, et après, les contre-versions, il a peur de rien, ce garçon, il est très audacieux. Hein. Donc voilà, et il gouverne, et donc il nous fait cette réforme des retraites qui est plus que controversée. Alors justement, là-dessus, tu voulais nous dire un truc sur le corps, Alain. Oh, je voulais simplement dire que cette réforme est une réforme purement idéologique, hein, et le corps, alors souvent on en parle du corps, et je voulais, disons, vous préciser un petit peu que c'était un organisme, la commission de coordination, je crois, coordination de la retraite en tous les cas, hein, et où il y a 42 membres, hein, donc beaucoup de gens, des députés, des sénateurs, 4 députés, 4 sénateurs, des partenaires sociaux, des employeurs, des salariés, des représentants de professions libérales, des représentants des familles, des représentants de l'agriculture, toutes les administrations, disons, intéressées par la retraite, bien sûr, donc sont représentées, le budget, le trésor. En gros, ce que tu nous expliques, c'est que c'est pas partisan. C'est pas partisan. C'est voilà. Et c'est un consensus, disons, le rapport annuel, c'est un consensus de l'ensemble de ces gens, tant qu'ils sont pas, disons, OK pour sa publication. Le rapport annuel ne peut pas être publié. Voilà, donc c'est pas partisan. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ils nous disent, hein, que, il n'y a pas de problème de déficit. Tout est équilibré. On est même en excédent fin 2021, début 2022, disons, et les finances sont excédentaires. Donc Macron nous ment, alors. Donc Macron, disons, soit il n'a pas compris comme les problèmes climatiques, soit il nous ment, l'un ou l'autre. Bon, enfin, tu sais, il a une modernité, il nous parle de la modernité, du progrès, etc., à la mode Thatcher, ça fait 40 ans, il est peut-être un peu, finalement, il semble avoir 40 ans, mais plus les 40 ans à Thatcher, il doit en avoir 80. C'est un jeune président, mais qui, ouais, en fait, gouverne comme un vieux, un très très vieux président. Vraiment très très vieux dans sa tête, je crois. Alors, quand même, on a la chance que Gabriel Attal nous ait dit qu'on peut enrichir, tenez-vous bien, on peut enrichir le projet sur les retraites. Donc, ils ont des mots très très malheureux, ces gens-là, même s'ils ont fait de la com plus que. Voilà, donc au niveau de la sémantique, c'est très très malheureux. Et tout ça, ça a été écrit en titre dans le journal Le Parisien. Tenez-vous bien quand même, c'est le titre du Parisien. On peut enrichir cette
réforme. Voilà. Alors Macron, pensée de vieux, tout ça, mais oui, donc une mobilisation dans toute la France très très importante, et on va avoir une première interview d'un syndicaliste qui nous explique un petit peu la mobilisation à la fois ici et sur tout le territoire français. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette mobilisation de jeudi dernier 19 pour la CGT ? Alors, c'est pour la CGT, je pense que c'est aussi partagé par l'ensemble des organisations syndicales. Cette mobilisation qui est sur Obna quelque chose d'historique, plus de 8600 participants à cette manifestation, c'est aussi à l'image du fait que 9 salariés sur 10 sont opposés à la réforme des retraites proposée par le gouvernement Macron et Borne. Hein. C'est plus de 2 millions de manifestants dans tout le pays, donc quelque chose que l'on n'a au minimum pas vu depuis très longtemps à l'échelle du pays. Une mobilisation non pas sans précédent, parce que je pense que dans l'histoire il y a eu d'autres dates, mais une véritable prise en compte de cette bataille par une part très importante de la population. En ce qui nous concerne sur le secteur, on a eu une très forte mobilisation par les grèves dans les usines et les services, que ce soit à AOI, c'est-à-dire l'ancienne BSN, la verrerie de la Bégude, Bosch et Lomb, le laboratoire, dans l'éducation nationale, où on atteint quand même des proportions de grévistes très élevées, de l'ordre de 70 à 80%, dans les services sociaux, il y a des IME qui ont été fermés, il y a une énorme opposition à cette réforme. Et ça, c'est un point, à mon sens, très important dans la situation. C'est à chaque fois dans des réformes, face aux réformes retraites, qu'il y a des grosses mobilisations comme ça. Ou est-ce que tu penses que c'est plus général ? Alors, effectivement, les souvenirs que j'ai, moi, qui sont les souvenirs personnels, c'est dans les grosses batailles qu'on a menées, c'était en 2010. Alors, il faut voir que, aussi, un élément important, c'est que c'est aussi depuis 2010 qu'on a un appel intersyndical national de telle ampleur. Il y a 13 organisations syndicales à l'échelle nationale qui appellent à ces mobilisations et qui sont toutes centrées sur un point, l'opposition frontale à tout allongement, à la fois de durée de cotisation et de report d'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, voire 65, etc. Donc à tout allongement de la durée de travail. Bon, voilà. Interview de Michel Sabatier. Il faut voir quand même que Macron a invité 10 éditorialistes très très connus. Et alors, je vais vous citer quelques noms les plus connus. C'est Guillaume Tabar pour Le Figaro, Dominique Seux pour France Inter et pour Les Échos, Françoise Fressoz pour Le Monde, Nathalie Saint-Cricq qu'on voit très souvent à la télé, Benjamin Duhamel pour BFM, et il leur a expliqué ce qu'il fallait dire juste avant la mobilisation du 19. Alors il leur a dit, il faudra dire que il faut pas croire à la victoire de l'irresponsabilité. Ben, figurez-vous que tous ces éditorialistes ont dit exactement le mot « il ne faut pas croire à la victoire de l'irresponsabilité ». On est dans un pays formidable. C'est la voix de son maître. Oui, c'est incroyable, quoi. Et la voix de son maître, c'est aussi la voix des oligarques, hein, ouais. Avant tout. Parce en fait, Macron, c'est un laquais de service. Hein. Il est président, certes, mais il est quand même laquais de service. Tout comme Borne. Ouais. Tout comme Borne. Deuxième interview, toujours de Michel Sabatier, qui nous explique un peu mieux l'ancrage de cette réforme. Donc une deuxième question, Michel, pourquoi cette mobilisation est aussi ancrée, aussi forte, aussi puissante, là, à ton sens ? Alors il est vrai que au-delà du problème de la retraite qui concentre, disons au niveau médiatique, etc., cette bataille, les choses sont à mon sens beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où de plus en plus de travailleurs, et je dis de travailleurs, donc des gens qui ont un métier, qui ont un salaire, se trouvent en difficulté. Ils se trouvent en difficulté pour arriver à payer leurs factures à la fin du mois, pour des raisons simples, c'est-à-dire que l'augmentation exponentielle du coût de la vie, hein, même si l'on considère que, selon les chiffres, ça varie entre 6 et 2,5, 7, etc., de façon globale, les
prix des denrées essentielles, celles qui nous permettent de vivre, de manger, etc., eux, par contre, sont beaucoup plus élevés. On atteint des 12, des 15%, etc. Et surtout, au niveau de l'énergie, c'est quelque chose de considérable, que ce soit le gaz ou l'électricité, si on n'est plus dans le cadre du tarif régulé, on a atteint des factures très difficiles à payer à la fin du mois, quand on a un salaire qui est juste un peu supérieur au SMIC, etc., qu'on a des enfants à charge, et naturellement, dans des situations comme ça, c'est toujours les plus précaires qui sont le plus en difficulté et qui souffrent le plus. On a véritablement un effet qui a eu du mal à s'exprimer dans les périodes avant et qui là trouve un élément avec cette bataille contre la réforme des retraites pour pouvoir s'exprimer pleinement, exprimant un refus de cette situation et un refus calme parce que tout à l'heure, on parlait de la mobilisation, des manifestations. Moi, quelque chose qui m'a marqué dans cette manifestation considérable, c'est le calme. C'est le calme et la détermination. C'est-à-dire que c'est une force tranquille, mais une force puissante et une force en capacité, à mon sens, même si je l'espère, mais on a ça, à renverser tout ça. C'est-à-dire à arrêter ce processus de descente aux enfers dans lequel le gouvernement Macron et aussi les gouvernements précédents, mais le gouvernement Macron et pour sa deuxième représentation est en train de nous entraîner. Voilà moi la façon dont j'ai de comprendre cette situation aujourd'hui. Alors c'est vrai que il y avait cette grosse manifestation bizarrement deux jours après il y avait une autre manifestation hein, qui était avec les jeunes à Paris et puis la France insoumise là derrière tout ça et là le cabinet Occurrence, vous savez ce cabinet libre dont on a déjà parlé est venu compter le nombre de manifestants et alors le chiffre entre le chiffre des manifestants et le chiffre d'Occurrence, il faut diviser par 10 même un petit peu plus. Alors là c'est quand même un truc un peu surprenant. Alors j'ai posé la question à Michel Sabatier qui m'a répondu, hein, je ne vais pas vous passer sa réponse enregistrée, il m'a dit oui mais quand les gens sont très serrés, le cabinet, on a vu que le cabinet Occurrence, ils ne peuvent pas compter. Donc en fait chaque fois que les gens sont trop serrés, hop ils évacuent. Donc c'est vite vu, hein, ça enlève. Alors je lui ai dit mais il devrait inventer un logiciel pour compter les 1000 pattes, tu sais. Puis après il divise par 1000, c'est bon, ça ira encore plus vite quoi. Enfin bon bref, voilà. Alors pour être sérieux, Michel a fini par nous dire aussi des choses sur les 1200 euros, les régimes spéciaux, l'Union européenne qui a à voir avec toute cette réforme. Voilà. Alors une troisième question, Michel. Cette réforme des retraites commande de l'Union européenne, hein, de la Commission. Et dans le fond, à l'intérieur de cette réforme, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de choses, tu parlais entre autres des régimes spéciaux, tout ça, enfin, la question est très large, tu l'entends. Effectivement, c'est une commande du Conseil de l'Union européenne et qui date de 2019 en particulier, dans lequel le Conseil dit la chose suivante, la recommandation, réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite en vue de renforcer l'équité et la soutenabilité de ces régimes. De quoi s'agit-il ? L'article 1er de la réforme porte sur la fermeture définitive de tous les régimes spéciaux, dont on nous dit le plus grand mal naturellement dans les médias. Savoir que c'est sur la base de ces régimes dits spéciaux qui sont des acquis du combat des travailleurs de l'époque, y compris avant 1945, que tous les droits que nous avons dans le domaine des retraites sont basés, sont appuyés. Que ce soit en termes de prestations définies, les salaires de remplacement, la reconnaissance des métiers pénibles. Donc tous ces droits-là viennent des régimes spéciaux, c'est ce que l'on a. Et aujourd'hui, vouloir supprimer les régimes spéciaux, ça a aussi un côté, c'est que tous sont attachés à des services publics
et que la volonté du gouvernement depuis de nombreuses années, c'est de privatiser l'ensemble des services publics, donc de les redonner au capital pour que le capital y puisse faire des bénéfices. Et les régimes spéciaux l'empêchent de le faire. Donc ça, c'est une des premières mesures de la réforme dans laquelle on est. Alors il y a aussi le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour tous les actifs, les indépendants, les salariés et fonctionnaires, à partir de la génération de 1961 et à raison de 3 mois chaque année jusqu'en 2030. Le report de 2 ans de tous les départs anticipés, c'est-à-dire que tous les travailleurs qui aujourd'hui comptaient partir en retraite assez rapidement, avec cette réforme, ne pourront plus et seront obligés de faire 2 ans supplémentaires. C'est aussi l'accélération des mesures de la loi Touraine. Un minimum de pension pour une carrière complète au niveau du SMIG relevé à 1200 euros. Alors là, il y aurait toute une explication technique à donner. 85% du SMIC, ça ne donne pas 1200 euros. Mais il faut aussi savoir que ça, c'est valable uniquement pour les salariés payés au SMIC toute leur carrière et qui auront une carrière complète, sans arrêt pour chômage, sans arrêt dans lequel on considère que ce n'est pas une période cotisée, en particulier chez les femmes, et ça c'est important, les périodes d'arrêt de maternité, etc., pour s'occuper des enfants et tout, ce n'est pas considéré comme des périodes cotisées. Ça donne des droits pour la retraite en termes de temps, mais pas pour les carrières longues. Même les métiers pénibles feront 2 ans de plus. C'est déjà pénible quand on a 60 ans, à 62, 64, ce sera encore pire. Voilà, alors, bon, il faut bien voir que cette réforme, c'est normalement, il nous donne quelque chose en échange. Alors là, c'était les 1200 euros dont il nous parle tout le temps. Et ces 1200 euros, voilà, il vient de nous expliquer qu'il ne faut pas trop y compter quand même. Hein. Voilà. Mais les 1200 euros, c'est l'excuse pour le DLR pour voter pour la réforme. Ouais. Ça leur fait une excuse en disant qu'ils ont négocié on négocie le poids des chaînes. Heureusement qu'ils étaient là pour faire quelque chose de social. Voilà. Mais oui. Je crois que cette réforme, moi, c'est l'irrespect, disons, des travailleurs, parce que cette réforme des retraites va demander particulièrement à ceux qui ont commencé tôt de travailler encore plus. Voilà. Hein, alors que les corps sont usés. Sont fatigués. Hein. C'est-à-dire, on demande à des gens des choses inhumaines. Quoi, hein. Y a des moments où on n'en peut plus. Je pense qu'un gars qui est maçon ou boulanger, oui, ou je sais, hein, quand il arrive à 62 ans, il a envie de partir. Quoi. Et c'est normal. J'ai prouvé dans les pays où la retraite est à 65, même à 67, que plus l'âge était tard, plus les retraités étaient pauvres. Mmh. Ça faisait des retraités pauvres. Et en Italie, ils ont passé la réforme, et qui c'est qui est sorti aux élections? Mélanie. Mélanie, la tendance. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais il faut qu'on avance, parce qu'on a annoncé que dans l'émission, on parlerait aussi un tout petit peu de Saint-Pierre-de-Colombier, par exemple. Est-ce que vous avez vu le titre de la Tribune le 12 janvier 2023? C'est ahurissant. Le titre, pleine page, avec une grande photo, l'État premier violeur de la charte du parc. Fallait le faire quand même. Oui. Là, je sais pas comment le préfet arrive à s'en remettre. C'est ahurissant, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Voilà, il dort sur les deux oreilles, le préfet. Il n'y a pas de souci pour lui. Hein. Alors j'ai dit qu'on parlerait un tout petit peu du rapport sur le sexisme, alors je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas vraiment le temps là, mais donc quand même il faut savoir que 2 femmes sur 10 sont frappées dans leur couple, à l'intérieur de leur couple, enfin c'est ahurissant je trouve. Un tiers des rapports des femmes dénoncent le fait qu'un tiers de leurs rapports sexuels sont contraints. C'est complètement fou qu'il y a un problème dans l'éducation, même dans l'éducation nationale. Hein, c'est ça qui apparaît dans ce rapport qui a été porté par le Haut Conseil sur l'égalité. Et enfin, 93% des Français pensent que ne sont pas traités, les femmes et les hommes ne sont pas traités pareil dans au moins une sphère de la société. Donc ça veut tout dire sur le fait qu'il y a un vrai sujet quand même. Là, il y a un vrai problème.
Pour finir, 25% des Français ne font pas confiance au pouvoir public sur ce sujet-là. C'est-à-dire que Macron, qui avait mis ça comme priorité de son premier quinquennat, il a été drôlement bien entendu. Hein. Il n'y a pas que les salaires. Hein. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Alors, il me reste un autre sujet dont on a dit qu'on parlerait un petit peu, c'est le démantèlement de l'hôpital de l'Argentière, l'Argentière Rocher. Alors là, c'est complètement fou aussi. Hein. C'est un truc où donc il y a 30 lits de SSR. Alors qu'est-ce que c'est le SSR ? C'est le soin de suite et de réadaptation. Donc tu disais, Alain, c'est un endroit de réinsertion, en fait. Ben, moi, je trouve que ces petits hôpitaux ruraux, disons, avaient vraiment, disons, toute leur place. Parce que lorsqu'on faisait un séjour, disons, dans un hôpital plus important, eh bien, parfois pour se reposer, des gens qui étaient dans des situations difficiles, qui ne pouvaient pas forcément rentrer dans leur à leur domicile, disons, ben, c'était un sas de décompression, de repos, c'était nécessaire, quoi. Et alors le maire de l'Argentière, Monsieur Durand, qui est d'autre part président du conseil de surveillance de l'hôpital Rocher-l'Argentière, qui est aussi président du GHT, groupement hospitalier du territoire, eh ben il se trouve que ce monsieur donc est maire et en conseil municipal, le sujet de l'hôpital de l'Argentière n'est jamais apparu. Cherchez l'erreur. Bon, il y a quand même 6500 personnes environ qui sont concernées au Val-de-Ligne, hein, puisque ça s'appelle comme ça là-bas, à l'Argentière, et une quinzaine de salariés dans l'histoire. Et tout ça, hop, ça va passer à la trappe. Alors tu disais, Alain, que oui, en fait, c'était moyen d'arrondir un petit peu ses retraites, d'être président de ci, président de ça. Et toi, tu l'as été, président de ci, président de ça, toi ? Non, moi, j'ai pas été président, disons. Lorsque j'ai été élu, que j'ai été maire, des amis m'ont dit, mais pourquoi tu te présentes pas comme président, vice-président à la communauté de communes, ça te ferait quand même 800 ou 900 euros de plus par mois, exonéré d'impôts. Bon, moi, disons, je trouvais que ma mission, disons, sur le village des gens suffisait, et puis surtout si je voulais la remplir correctement, bon, je voulais pas passer mes jours et mes nuits, disons. T'étais un élu honnête ? Oh, je sais pas si j'étais un élu honnête, mais disons, oui, j'essayais d'exercer le mieux possible, avec le plus de respect, le plus d'écoute, quoi, enfin, auprès des gens. Quoi. Ça te ressemble bien, là. Alors, on va voir le quiz, hein. On est en retard, il faut faire vite, hein, parce que sinon tu vas te faire massacrer par Bon, alors le quiz, il y a 15 jours, c'était « Vous m'utilisez tous les jours, je suis présent sur toute la planète, je peux avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je peux avoir toutes les formes inimaginables, je suis une pollution de notre siècle et je peux être très dangereux ». Alors c'était le plastique. Alors le plastique peut être un fléau mondial suivant son utilisation. On le retrouve dans l'eau sous forme de microplastique et évidemment dans la chaîne alimentaire. C'est la cause de la mort des tortues marines qui confondent les sacs plastiques avec des méduses. Sa durée de vie, ça dépend les plastiques, c'est pas fixe. Il pollue le fond des mers parce qu'il se retrouve au fond des océans. Dans le sud de la France, le Mistral fait s'envoler les sacs de plastique qui viennent coincer dans les arbres au fond des images désastreuses de notre civilisation. On parle de la mer de plastique et même du septième continent. Ce vortex de déchets se trouve dans le Pacifique Nord. Découvert en 1997, il se situe entre Hawaï et la Californie. Il s'étend aujourd'hui sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés, soit trois fois la superficie de la France. L'accumulation de plastique est présente dans tous les océans. 280 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont un dixième finissent dans les océans. Voilà, c'était mon coup de cœur, enfin mon coup de gueule plutôt, pour les plastiques et la pollution. Bon, merci, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. À 15 jours. Bon courage.